Salam, salut, paix à tous et pour toutes. On voulait parler aujourd'hui d'un lien qu'on a fait l'autre fois en live. Il y a le frère Mehdi, je lui passe le salam, de Vitré, qui avait mis un message qui était ils sont en train de jouer de la harpe. Et on a fait le lien avec le projet harpe et Daoud Ali Selem qui jouait de la harpe. En fait, le projet harpe, ce sont des vibrations à haute fréquence qui causent des tremblements de terre. Et dans le Coran, il est écrit que quand Daoud, paix sur lui, priait Dieu en chantant, que les montagnes aient chanté avec lui. Et la manière de chanter d'une montagne, je pense que c'est un tremblement. Et carrément, en fait, ça confirme que la montagne lui rendait les vibrations. Et on a dans les écrits, vous pouvez regarder, mais en l'an moins 1000 avant Jésus-Christ, il y a eu d'énormes cataclysmes. Je sais plus lesquels, mais il y a eu des cataclysmes énormes. Genre le Vésuve, l'Etna peut-être aussi, plein de trucs comme ça, des tremblements de terre. On peut mettre ça en parallèle avec aujourd'hui. Moi je vois bien le Mehdi quelque part avec une harpe, peut-être, ou peut-être juste ces glorifications à Allah qui font des tremblements de terre et tout ce qui est en train de nous arriver. Et peut-être, il y a un lien, je dis bien peut-être. Mais c'est quand même quelque chose de à vérifier. Je vous donne l'exemple de Gaston Lagaffe, qu'ils avaient fabriqué un gastophone, justement, qui faisait des vibrations pour faire des tremblements de terre. On a aussi le Japon, qui a été attaqué par un tremblement de terre il y a quelques années, et qu'ils avaient fait l'enquête et que ça venait du projet HARP. Donc, à partir de là, on a mis les images. Vous regarderez, vous vous renseignerez. Et en tout cas, la harpe a une vibration spéciale. Daoud Ali Selem qui jouait. Il y a sûrement un lien avec les glorifications que Daoud faisait dans le Coran qui sont citées. Et le Coran, il dit pas qu'il y avait une harpe, mais tout le monde est au courant que Daoud sur lui avait une harpe. Donc, si on met en lien la harpe qu'on entend chez eux et chez les gens du livre d'avant, des livres d'avant, et en lien avec ce verset du Coran, on se rend compte qu'il y a possiblement un lien entre la harpe de David et des possibles tremblements de terre. Et à partir de là, ça confirme que le projet harpe, ils l'ont pas nommé pour rien. Voilà, ils l'ont pas nommé pour rien. C'est quelque chose c'est entre eux, c'est un message subliminal sûrement qui se donne. En tout cas, il y a des vibrations partout. La terre a des vibrations. Elle répond aux vibrations. Il y a le frère Azed aussi. Il m'a dit que la pyramide de Gizeh, on va pas reparler d'elle, mais elle a une fréquence à 33. Bizarre quand même, 33, comme par hasard, sa fréquence, elle est 33, elle aussi. 33e degré de la franc-maçonnerie et toutes les histoires de 33. Voilà, j'en dirai pas plus à ce sujet. Salam alaikum à tous et à toutes. À la prochaine pour de prochaines vidéos ou de prochains lives. Chaque vendredi et samedi, on fait un live à 21h et on essaye de rester jusqu'à pas d'heure. Salut à tous.